Bonjour à tous, c'est Monsieur Montana. Bon, moi, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, entre guillemets, modder le RC Bandito. Donc déjà, je vais vous montrer que je suis bien en 1.50. Voilà, 1.50. Et il faudra mettre en type de salon public. Ensuite, il va falloir vérifier votre mode de visée. Là, en l'occurrence, elle est grisée parce qu'on est dans le online. Mais il faudra mettre visée libre. Donc, pour mettre visée libre, il faut aller dans le solo. Donc, voilà, j'ai choisi Michael. Mais peu importe, hein. Vous allez dans le solo. Donc ensuite, voilà, vous faites start, paramètres, commande, visée libre. Donc là, vous avez plusieurs types de visée, vous choisissez visée libre. Ensuite, vous retournez simplement dans le online. Donc c'est pas un glitch qui est très facile, mais c'est pas un glitch qui est ultra compliqué non plus. Je dirais que c'est un glitch moyen. Ensuite, il faudra avoir l'arène et évidemment le RC Bandito. Donc oui, quand vous achetez le RC Bandito, il arrivera ici, sur la caisse à outils. Ensuite, moi, en apparition, j'ai mis dernière position. De manière à retourner toujours à l'endroit où j'étais. Ensuite, il vous faudra une communauté. Donc après, voilà, j'en ai créé une, mais sinon, vous pouvez en rejoindre plein sur Internet. Donc il faut juste rejoindre une communauté où il y a des joueurs, de manière à pouvoir rejoindre leur session. Donc double PS et essayer de trouver, en gros, une communauté qui a beaucoup de, qui a plusieurs joueurs, de manière à pouvoir rejoindre une session. Et comme ça, quand vous ferez double PS, vous arrivez tout de suite dans le menu pour rejoindre. Comme ça vous fera gagner du temps. Plutôt que à chaque fois de devoir aller chercher, donc peut-être risquer de rater le glitch. Donc voilà, après j'ai choisi ce modèle-là. Voilà, c'était. Donc là, après, ouais, vous changez juste un paramètre de la voiture. Peu importe ce que c'est, les vitres teintées ou les plaques. Quelque chose de pas trop cher. Voilà, vous changez juste un paramètre de la voiture. Et ensuite, vous allez près du RC Bandito et vous arrangez pour avoir le truc en haut à gauche avec la flèche de droite. Là, on va appeler Simeone de manière à avoir une activité. Donc, on a juste à l'appeler, il va nous proposer une activité. Donc, on l'accepte. X. Quelques secondes après, on va avoir donc la nouvelle activité qui va nous être pratique pour le glitch. Donc elle arrivera donc au centre des icônes, dans l'icône du centre plutôt. Voilà, elle est arrivée. Donc là vous allez juste appuyer une fois sur X et ensuite vous allez appuyer sur Start. Et dès que vous lâcherez Start, vous allez appuyer sur X en même temps. Vous entendrez un petit bruit et vous allez arriver ici. Donc là vous allez faire Online, en ligne, activité, jouer activité, créé par Rockstar, mission. Un travail de titan. Là, dès que vous appuyez sur X, vous spammez la flèche de droite. Vous allez voir un petit message. Vous appuyez juste une fois sur X en continuant de spammer la flèche de droite jusqu'à ce que vous arriviez au menu de chargement. Là, vous pouvez arrêter de spammer flèche de droite. À ce menu-là, vous allez faire rond et tout de suite double PS et vous rejoignez. Si ça marche pas, vous en prenez une autre. Normalement, vous aurez deux messages. Là, je suis tombé tout de suite sur le deuxième message. Là, vous faites rond et vous spammez flèche de droite. Et là, en l'occurrence, j'ai eu de la chance. Ça a marché du premier coup. Là, on s'en fiche un peu. Vous faites rond pour annuler. Et voilà. Là, ça a fonctionné du premier coup. Donc, j'ai eu pas mal de chance de réussir du premier coup pour la vidéo. Mais je vais vous en mettre. Alors, oui. Dès que vous avez réussi le glitch, modifiez un paramètre du RC Bandito de manière à ce que ça sauvegarde le glitch. Donc ça peut être la peinture, ça peut être, je sais pas, bon,
n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Vous changez juste un paramètre. Comme ça va sauvegarder les modifications du RC Bandito. Là, voilà, vu que j'ai réussi le premier coup, j'ai voulu faire d'autres tests pour montrer comment ça marche pas. Donc voilà, là, je suis rentré avec ce véhicule-là, j'ai modifié un paramètre. Là, je vais au RC Bandito et il y a la petite flèche de droite qui est activable. Là, je reprends une ancienne de Siméon. Je vais dessus, j'appuie sur Start. Dès que je lâche Start, j'appuie sur X. Et là, en l'occurrence, je me suis raté, le timing n'était pas bon. Parce que j'arrive pas sur le menu Start, mais sur le menu d'activité. Donc, je me suis raté. C'est pas grave, je vais recommencer, je rentre dans la voiture. Je modifie encore un paramètre. Peu importe lequel, les fenêtres, peu importe. Voilà, un paramètre. Je ressors de la voiture. Je retourne près de la caisse à outils en ayant bien le petit truc en haut à gauche. Je vais sur mon ancienne activité, Start. Dès que je lâche Start, j'appuie sur X. Et là, ça a fonctionné. En ligne, activité, jouer activité, créé par Rockstar, mission, un travail de titan. Dès que j'appuie sur X, je spam droite. Et dès que j'ai un petit message, je rappuie sur X, pardon. Une fois arrivé ici, ils m'ont proposé d'héberger, j'appuie sur rond. Voilà, d'héberger, j'appuie sur rond. Tout de suite après, double PS, je rejoins une session. Et là, normalement, j'ai deux messages. Le premier, j'accepte. Le deuxième, je refuse. Et là, je respam la flèche de droite. Et là, en l'occurrence, ça n'a pas marché. Pourtant, le timing n'était pas mauvais. Test 3, dans mes souvenirs, il a fonctionné. Donc voilà, je monte dans le véhicule. Je modifie encore un paramètre. N'importe lequel. On s'en fiche. Voilà, j'ai remis les fenêtres que j'avais avant. Et c'est pas grave. Voilà, je retourne près du RC Bandito avec toujours le truc en haut à gauche. Je vais sur mon ancienne activité de Siméon. Start, dès que je lâche Start, X. J'arrive normalement sur le menu Start. Non, raté. Donc voilà, je retourne encore dans la voiture, je modifie un paramètre. Voilà, je sors de la voiture. Je vais près de la caisse à outils, en vérifiant bien qu'il y a le truc en haut à gauche. L'activité de Siméon. Je vais sur ce menu là, j'appuie sur Start X, j'arrive dans ce menu, dans le menu Start. En ligne, activité, créée par Rockstar, mission, un travail de titan. Dès que j'appuie sur X, je spam droite et j'appuie sur le petit bouton X pour valider le truc. Et je spam jusqu'à ce menu là. Une fois arrivé à ce menu là, je peux arrêter de spammer la flèche de droite. Ils vont me demander d'héberger. Je vais appuyer sur rond. Double PS. Je rejoins. Premier message, j'accepte. Le deuxième, je refuse. Premier, j'accepte. Le deuxième, je refuse. Et je spam, flèche de droite. Je spam. Là, je m'en vais. Je quitte. Et voilà. On voit que les roues ont changé. Je vais essayer de faire une meilleure vue. Voilà. On voit que voilà, c'est bon, c'est pas super, mais on voit déjà que les roues, ouais, voilà. Là, on voit que les roues déjà, c'est mes roues. Bon, je modifie un paramètre du RC Bandito pour sauvegarder la modification, et j'ai plus qu'à sortir du véhicule. Voilà. Bah après, c'est une petite vidéo. Pour le glitch. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, ou vous abonner. En tout cas, merci et bon game. Et ce glitch, en fait, c'est la première étape d'un deuxième glitch qui va venir d'ici très peu de temps. Voilà, après, n'hésitez pas à donner vos commentaires. Surtout si vous avez découvert d'autres trucs et tout ça, ça peut être pratique pour les autres. Voilà. Quoi qu'il en soit, merci à vous et bon game. Allez, salut. Okay, bye.
Let's tool here.